voyage à une vitesse encore jamais vue dans notre histoire. Il y a une foule incontrôlable dans la rue. Les bâtiments sont en feu. Les autorités se préparent pour plus d'émeutes ce soir. Si c'est des incendies, des incendies. On a retrouvé un petit chien, le visage complètement défiguré. L'état d'urgence a été déclaré dans toute la ville. Le CDC place en quarantaine une partie du Midwest des États-Unis. Engagement, honnêteté et intégrité. Telles sont les valeurs essentielles qui constituent le ciment d'Umbrella Corporation. Et ce sont ces valeurs qui contribuent à construire un avenir meilleur pour chacun d'entre nous. Cauchemar en pire. Plus que trois jours, et tu as dû à cette ville. Qu'est-ce qui se passe dehors? J'ai un peu trop forcé. Allô? Jill, est-ce que ça va? Brad, c'est toi? Écoute, sors vite de chez toi! Qu'est-ce que tu racontes? Pas le temps de t'expliquer! Va-t'en de chez toi! Tout de suite! Ok, je me prépare et je... Ah!
Bordel, c'est quoi ça? J'en ai aucune idée. Mais il a une dent contre les deux membres du Stars encore en ville. Toi et moi. Je vais pas moisir le jus. T'as vu ce bordel? Si on reste là, je donne pas cher de notre peau. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que les emmerdes n'arrivent jamais seules. C'est comme Harkley et Empire. Le seul lieu sûr, c'est là-dedans.
votre nom. Je peux pas vous laisser ici. Dario Rosso. Ah ouais, je vois. Vous voulez voler ma planque, c'est ça? Débrouillez-vous, ma belle. Ma belle? Est-ce que vous pouvez vous calmer? Je suis officier de police. Je suis là pour vous aider. Ah bah ouais. Parlons-en du travail de la police. Vous voulez aider? Alors allez vous menotter à un de ces monstres. Monsieur, c'est votre dernière chance. Personne d'autre ne viendra vous aider. J'irai nulle part. Je préfère encore crever de faim ici, plutôt que d'être bouffé par ces morts vivants. Alors foutez-moi la paix. Moi, c'est Carlos. Je viens te sauver. Allez, on va se mettre à l'abri. On est en sécurité. J'espère. C'est là qu'on groupe les survivants. Où ça, là? Les gars ont converti des rames de métro en abri. Crains rien. C'est bon. Besoin d'espace, hein. C'est bon, j'ai compris. Allez. Ah, oh, c'est pas vrai. Quel est le connard qui a fermé ça? Désolé, on va devoir faire le tour. Hé, hey, qu'est-ce que tu sais sur ce monstre? Rien. J'ai jamais rien vu de semblable. Mais c'est pas un zombie. Il sait ce qu'il veut et il fera tout pour l'obtenir. T'aimes pas ce genre de mec? Non, merci. Je te laisse. Ah, écoute, avec moi tout va bien se passer. Je suis de l'UBCS. Le groupe de lutte contre les menaces biologiques d'Umbrella. Tu te fous de moi? C'est une blague, c'est ça? C'est vous qui avez causé tout oh, ça!
Du calme. Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, t'es pas obligé de me croire. Mais moi, je vais à l'abri. Viens. Allez, c'est par là. Charmante demoiselle a besoin de nous. Carlos, t'as même pas demandé son nom à cette charmante demoiselle. Il s'agit d'un agent d'élite des forces spéciales de la police de Raccoon, le Stars. Son nom, c'est quelque chose comme Valentine. C'est Jill. Ravi de te rencontrer, Jill. Je suis Michael Victor, chef de peloton de l'UBCS. Mon équipe a été envoyée ici pour secourir les civils. Je vois. Et comment ça se passe? La ville est complètement coupée du monde, isolée. La grande majorité des 100 000 citoyens de la ville vont mourir. Enfin, façon de parler. Mon peloton a essuyé de sérieuses pertes. Garantir leur survie est au-dessus de mes moyens, désormais. Bon ben, vous pouvez remercier votre employeur pour ça. Ouais. Eh bien, on fait tout ce qu'on peut ici. Si on réussissait à faire démarrer ce train, on pourrait évacuer quelques survivants. Mais on a besoin d'aide. Mes hommes n'y arriveront pas tout seuls. Très bien. J'en suis. Et je fais ça pour eux. Pas pour vous. Hé, hey, oh. On veut tous la même chose. Merci, Jill. Bon, super flic. Prends ça. Ça servira à rester en contact. Je sais ce que c'est, un Toki. Bon, faut pas perdre de temps. Va falloir t'équiper. Dirige-toi vers la sortie. Tu trouveras du matériel. Ok. Merde, capitaine. Ils nous ont salement amochés. Jill, c'est Carlos. Est sorti de la station? Presque. C'est quoi le plan, alors? Le vieux m'a chargé de déblayer les voies. Est-ce que tu veux bien remettre le système du métro en route? Et comment je fais ça? D'abord, il faut rétablir le courant. Je te guiderai vers la sous-station une fois que tu seras dans la rue principale. Compris. Je me dépêche. Il y a encore des survivants. Faut qu'on fasse repartir ce métro. Carlos, je suis dans la rue principale. Faut que j'aille où? Tu vois une tour de transmission? C'est la sous-station. Tu vas devoir prendre une allée sur la droite pour t'y rendre. Tu veux dire, celle qui est en feu? Peut-être. C'est pas de ma faute si ton regard de braise a encore fait des ravages. Va te faire voir. Faut que j'éteigne ça. Voilà. De l'UBCS? Ouais, doucement. Ne me regarde pas comme ça, je suis pas infecté. Ok, fais-moi voir ça. Non, 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 attends! Ah! Putain, mais ça va pas! Il était infecté. Il était peut-être infecté! Vous êtes tous comme ça, Stars? Je comprends pourquoi vous vous faites tuer. Et vous alors, à l'UBCS? Vous vous tuez entre vous, c'est ça? J'allais se transformer. Tu as envie de mourir jeune, quoi, toi? Retourne plutôt à la station de métro. On n'a pas besoin d'une âme sensible comme toi dans les pattes. Oh! Oh, cette odeur, on dirait... Oh, je veux même pas y penser.
Bravo, Superflic. Tu m'impressionnes. On peut partir ? Ouais, presque. Il nous faut 30 à 40 minutes pour finir la maintenance. Nikolai, du nouveau ? Ces saloperies sont partout dans la ville. Aucune chance de sortir si on les affronte. Qu'est-ce qu'elle fout là ? Elle nous aide à faire redémarrer le métro. C'est pas le moment de s'encombrer d'un poulet. On peut pas se fier à elle. Elle est incapable de tirer quand il le faut. Eh, vas-y, Molo. Je t'aurais prévenu. Je suis désolé. Tout le monde est un peu à cran. Oh putain, pas lui. C'est moi que tu cherches. Hein ? Je vais faire diversion. Hé, attends ! Reviens, Jill ! Non ! Carlos, tu me reçois ? Carlos ! Il faut que je trouve une autre issue. Carlos, tu m'entends maintenant ? Jill, tu m'as foutu la trouille. Tout va bien ? Ouais, ça va. Je les mets. Est prêt à démarrer. On part dès que t'es revenu.
Carlos, c'est Jill. Tu me reçois ? 5 sur 5. Ça va ? Ouais. Cette fois, il est mort. Nickel. Tant mieux. Mais qu'est-ce qui t'a pris de servir d'abat ? T'aurais pu te faire tuer. Commence pas. J'ai pas eu d'autre choix. Je sais. Et merci. Le métro est prêt à partir. Dépêche-toi. Jill. Kendo, t'as rien ? J'ai rien. C'est vite dit. Désolé, je voulais pas te faire peur. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Sans blague. Écoute, on évacue les survivants par le métro. Tu viens ? Le métro ? Ouais. C'est une bonne idée. Une fois dehors, on aura de quoi faire. Tu pourrais nous être utile, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, c'est juste que le moment est mal choisi. Écoute, t'en fais pas pour moi, je vais m'arranger autrement, d'accord ? Y'a intérêt. T'es le meilleur armurier qui soit. Oh non. Pas de risque inutile, d'accord ? Le risque, c'est ton métier, hein ? Sois prudente, Jill. On se tire d'ici. Carlos, je sais que j'ai pas été très sympa avec toi, mais merci de m'avoir sauvé. Hey, tu m'as sauvé en premier. T'es bien plus courageuse que moi. Ce qui compte, c'est qu'on...
On va pouvoir évacuer tout le monde maintenant. Ouais. Tu seras hors de danger. Et toi ? D'après ce que j'ai compris, je suis pas du voyage. Et pourquoi ? On a de nouveaux ordres. Enfin, si c'est pour aider la ville, moi, je suis pas contre. Bon travail ! Tu es à la hauteur de ta réputation. Allez, monte, le métro est sur le point de partir. Carlos, Tyrell, vous connaissez les ordres. Vous devez remonter en ville et essayer de trouver Nathaniel Bard. J'espère que c'est pas le dernier métro, hein ? T'en fais pas, une fois les civils à l'abri, le train reviendra. C'est bon, tu peux partir. T'inquiète pas, je vais pas mourir, on se débarrasse pas de Carlos comme ça. Si tu le dis. Il faut que vous trouviez ce scientifique. Ses recherches sur le vaccin pourraient nous sauver. Tu vois, tu apprends. La seule vie qui compte, c'est la tienne. Bonne chance. On y va. Tu crois quand même pas qu'un gratte-papier comme Bard est encore en vie ? Rassure-moi. J'ai de bonnes raisons de le penser. Pourquoi ? Tu es inquiet pour tes coéquipiers ? Ou pour autre chose ? C'est drôle comme des zombies sans cervelle peuvent prendre un peloton par surprise. Comme par hasard, la porte était fermée. Bizarre, non ? C'était quoi ça ? Pete, non, c'est trop tard. Pete, par ici. Nikolai, qu'est-ce que tu fais ? C'est pas moi qu'il cherche. Nikolai, non ! Déjà être loin de la ville. Avec ta nouvelle conquête ? Non, c'est pas ce que tu crois. Elle, elle est pas comme les autres. Redescends sur Terre, Roméo. On est au commissariat. T'es sûr ? Moi, je trouve que ça ressemble plus à un cimetière. Arrête ! Tyrell ! Oh non, mec ! Pas toi, putain ! Pardon ! Pardon ! Charge-toi de la porte! Je m'occupe de cet enfoiré! Amène-toi! Il est passé où, ce flic? Je sais pas, et je m'en fous. On a autre chose à faire. Si nos infos sont exactes, Bard est dans le bureau du Stars. On a juste à le trouver et à le capturer. Le capturer ? Je croyais que c'était un sauvetage. Carlos, mate un peu ça. J'ai localisé le bureau du Stars. Oublie pas, Bard connaît les pires secrets d'Umbrella. Il sait qu'on le laissera pas partir facilement. Donc cette mission recherche et sauvetage, c'est plutôt trouver et capturer. Ok, c'est bon à savoir.
seule survivante. Docteur Bard. Oh, Dieu merci. Vous savez depuis combien de temps j'essaie de contacter quelqu'un? On va vous sortir de là. Dites-moi juste où vous êtes. Je suis enfermé dans ce putain d'hôpital, au milieu de toutes sortes d'abominations. Envoyez le Stars. Ils sauront quoi faire. Négatif. Le commissariat est infesté. Alors trouvez une solution! Umbrella a perdu la raison, il massacre tous les chasseurs! Je suis la seule personne qui puisse fabriquer le vaccin pour arrêter les zombies. Alors soit vous restez où vous êtes à vous gratter les couilles, soit vous envoyez quelqu'un qui soit capable de me sortir d'ici. Je l'aime déjà. J'en doute pas. T'as entendu? On peut pas le livrer à Umbrella. C'est pas à nous de décider, c'est à Mihail. Je vais voir sur l'ordinateur s'il y a moyen de localiser le doc. Il sait même pas nager. Hé, hey, Carlos, réponds. Ouais, j'écoute. On a échoué. Le train a déraillé. Déraillé? Y a des blessés? Jill? Ils sont tous morts. Mihail, tout le monde. Oh merde! Nikolai nous a laissés, il nous a trahis! Hein, quoi? Non mais je rêve! Il revient! Bon, je dois y aller. Ok, ça marche. Moi, je m'occupe de Bard. Me lâche maintenant. Fais chier. Ah,
Intéressant. Tu m'as rendu un grand service, Jill Valentine. Jill ! Hey ! Parle-moi ! Merde ! Tayal, tu m'entends ? Qu'est-ce qui se passe ? Jill est infectée. Je vais l'emmener à l'hôpital. Peut-être que Bard pourra la sauver. Compris, je te retrouve là-bas. Accroche-toi, super flic. Ça va aller. Tiens bon, Jill. Je vais te le trouver, ce vaccin. Terrell, tu sais où est Bard ? Il doit être dans le labo du fond. Sois prudent, je suis en route. Compris. J'y vais. Tyrell, Bard est mort. Il a été abattu. Merde ! Et le vaccin ? Je cherche. Ouais, ben trouve ! Il doit y avoir un ordinateur, non ? Ici le chef du VRC, Nathaniel Bard. 29 septembre, 23h. Je suis parfaitement conscient que mon temps est compté. Et j'espère qu'en faisant cet enregistrement et en révélant la vérité au grand jour, je pourrai rétablir mon honneur ne serait-ce qu'un tout petit peu. Le cauchemar de Raccoon City a commencé avec la libération d'une arme biologique appelée Virus T. Mon employeur, Umbrella Corporation, a conçu ce virus. Et ils ont ordonné à mon équipe de développer un vaccin, ce qu'on a fait. Je garde des échantillons de ce vaccin ici dans mon bureau, et le reste est stocké sous terre. Mais tous ces enfoirés qui sont aux commandes, ils veulent le détruire. Ils ne veulent pas que le monde sache ce qu'ils ont fait. Donc ils essaient d'effacer toute trace de l'existence du virus. Mais je suis pas stupide. Je sais qu'ils veulent pas que... Alerte à tous les citoyens. L'épidémie qui se propage dans toute la ville est désormais incontrôlable. Le premier...
1er octobre, Raccoon City sera totalement détruite par une frappe de missile. Tous les survivants encore présents dans la ville sont priés d'évacuer immédiatement. Ceci n'est pas un exercice. Alerte à tous les citoyens. Ça nous laisse qu'un jour. Il reste des survivants en ville. Va dire ça à l'oncle Sam. Merde, ils arrivent. Ok, reste là. Je m'en occupe. Je vais essayer de baisser les volets des fenêtres. Moins il y a de points d'entrée, mieux c'est. Comment tu comptes t'y prendre ? En piratant le système de sécurité de l'hôpital. Toi, retiens-les pendant ce temps-là. Ni mieux. Mais au moins c'est fini. J'arrive. Le vaccin a l'air de marcher. Bien. Tu vas quelque part ? Peu, ouais. Et tu vas faire quoi ? La ville est sur le point d'être pulvérisée. S'il te plaît, appelle le gouvernement. Dis-leur qu'on a trouvé un remède. Gagne du temps. Faut toujours qu'ils jouent au con. Jill. Oh, Dieu merci, t'es vivante. Bonne nouvelle. Tout est fini. La ville est sauvée. Alerte à tous les citoyens. Le missile sera lancé sur Raccoon City dans quelques heures. La charge est suffisante pour éradiquer toute forme de vie biologique. Vous ne survivrez pas si vous restez dans la ville. 1er octobre ? Évacuez immédiatement. Je répète, non. Évacuez immédiatement. C'est impossible. Ceci n'est pas un exercice. Alors, bien dormi ? Tu m'as sauvé la vie. Moi, j'ai fait que dalle. Pour remercier Carlos, il t'a porté jusqu'ici et t'a soigné. Ce mec est dingue. Où est-ce qu'il est ? Parti au sous-sol. Bardi a stocké le vaccin. Il y a peut-être encore un espoir pour la ville. Je crois quand même pas y arriver tout seul. Je vais aller le rejoindre. Attends, t'as pas vu à la télé ? Ils vont rayer la ville de la carte. J'essaie de contacter quelqu'un, n'importe qui, en mesure d'arrêter ça. Laisse-le faire son job. C'est un pro. Moi aussi. Je crois que j'arriverai pas à te dissuader. L'entrepôt se trouve sous nos pieds, en dessous de cet hôpital. J'ai perdu contact avec Carlos. Attends-toi au pire.
ramener sous terre. Tyrell! J'ai réussi. Ils veulent bien négocier. Ils annuleront la frappe si... Et c'est un putain de si... On arrive à leur livrer le vaccin... Avant le lancement. On a combien de temps? Quelques heures, au plus. Ok, alors y a pas une seconde à perdre. Moi. Le vaccin devrait être par là. T'es sûr que tu veux pas rester là? Pourquoi faire? Je viens avec toi. D'accord. Alors on continue. Thank you.
qu'avons-nous ici? Nikolai, non! La ville a besoin de son vaccin! Plus que moi? Apparemment, mes conseils ne sont toujours pas rentrés dans ta petite tête. Oui, je sais, pour toi, la vie, ça n'a pas de prix. Mais moi, je suis là pour gagner du pognon. Faisons un marché. Descends là-dedans. Affronte le Némésis. Et j'enregistre tout ça pour vendre les données de combat. Assure le spectacle et... j'aurai peut-être pas besoin du vaccin. Deal ? Bien. C'est fait! Donne-moi le vaccin, espèce de sale ordure! Oh non 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 non! Tu faut de l'or! Et j'aime ça! Je crois que notre partenariat est fait pour durer! Allez, jette ton flingue! As-tu déjà vu quelque chose d'aussi incroyable? Des données là-dessus pourraient valoir des millions. Mais... ah, je vais pas te faire un dessin. La ville est sur le point d'exploser. Et la vie, ça n'a pas de prix. Bonne chance! Nikolai! Jill! Cours après Nikolai! Il a le vaccin! Et toi alors? Écoute, on n'a plus le temps là! Je vais y arriver! J'ai pas de doute là-dessus. Bon, je te préviens. Cette fois, ce sera la dernière fois. Ouverture du compartiment. Ça, ça doit faire. Thank you.
Allez, on reste amis. N'arrêtera pas! Je t'ai promis ça, pas vrai? Non! T'as la moindre idée de ce que tu viens de faire? Aucune, je m'en fous. Mon client m'a ordonné de réduire Umbrella en miettes. Impact du missile dans 10 minutes. Le missile est parti. Et je dois décoller. Adieu, Jill Valentine. C'est dommage que tu ne m'aies pas écouté. Jill! Vas-y, tire! Je peux pas! Je vais te toucher! Allez! Il le faut! On n'a pas le choix! Carlos! Je t'avais dit qu'on se débarrassait pas de Carlos comme ça. Même si là, c'était pas loin. On fait quoi de lui? Pourquoi t'as fait ça? Les choses ont un prix, tu sais. Même laisser le monde brûler. Pour qui est-ce que tu travailles? Je te le dirai, si tu me sors d'ici. Je paierai tout ce que tu voudras. Imbécile! Imbécile! Si je meurs, tu sauras jamais la vérité! J'ai rien contre une petite enquête. Bien. Et voilà. Terminé. Adieu, Raccoon. Une sensation de vide, de froid m'a envahi, malgré la chaleur de l'explosion. C'était pas un simple virus qui était à l'origine de tous ces morts. Mais l'avidité. Celle des hommes. Je me suis alors juré
que les cendres de Raccoon City seraient également celles d'Umbrella. Je les arrêterai, une bonne fois pour toutes.